Ah, bienvenue sur ton Totem CV. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire du petit lapin. Je veux des pâtes. Ah, ça a l'air d'être un coquin celui-là. Oh oui, c'est un coquin. Regarde toutes les grimaces qu'il fait. Il y en a plein partout. Ici, il tire la langue. Je veux des pâtes, je suis pas content. Ouh là là. C'est quoi cette histoire? Il était une fois un petit lapin qui ne voulait manger qu'une seule chose. Des pâtes! Miam, 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 j'adore les pâtes. Le matin, lorsque sa maman lui disait « Viens manger tes tartines, mon petit lapin », il répondait « Pouah, c'est pas bon, je ne veux pas manger ça. Miaou, il a dit qu'il veut pas. » Le midi, lorsque son papa lui disait « Viens manger ton beefsteak et tes haricots verts, mon petit lapin », il répondait « Je veux des pâtes !»« Miaou, allez, fais-lui des pâtes, papa », lui dit le chat. Un soir, au dîner, lorsque sa maman lui dit « Mange ta soupe, mon petit lapin », il répondit « Brrr, c'est pas bon la soupe de petit rond !» Alors maman se fâcha et dit: Simon, ça suffit. Va dans ta chambre, tu es puni. Miaou, maman fille, je suis pas punie. Alors d'une toute petite voix, Simon dit: Mais moi, je veux manger des pâtes. 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 Tout à coup et tout à trac, Simon se mit à rouler des yeux démoniaques. Il devint fou et poussa un hurlement de loup. Je veux des pâtes, un point, c'est tout. Mais lorsqu'il entendit sa maman dire à son papa: Oh mon chéri, ton gâteau au chocolat, il est exquis. Il se calma et dit: Pourrais-je avoir du gâteau au chocolat, moi aussi? Alors sa maman répondit: Viens manger ta soupe, mon petit lapin, et tu auras du gâteau, c'est promis. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il mange sa soupe de petits ronds. Miaou, moi je mange tout de suite le gâteau. Coquin ce chat. Mais le lendemain, à midi, lorsque son papa lui dit: Viens manger tes pâtes, mon petit lapin, il répondit: Je veux du poulet! Gna, 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 gna. Vraiment un coquin, ce Simon. Et voilà, c'est fini. Maintenant, tu peux lire un livre pour de vrai.